Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui encore, ce samedi 11 décembre 2021, comme tous les samedis, en direct à partir de midi, heure de Paris. Toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir au cours de cette émission. Nous allons aborder un thème encore d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons du siècle de la vitesse qui va nous permettre de faire un rappel sur la notion du temps et ce ressenti d'accélération que beaucoup d'entre vous certainement éprouvent à l'heure où tout semble aller très vite. Voici le ressenti, en tout cas, qu'une de nos spectatrices fidèles nous a témoigné et elle nous a proposé de nous retrouver donc aujourd'hui pour parler un petit peu de ce phénomène qu'elle ressent et certainement que d'autres ressentent, puisque vous savez que nous abordons souvent ces thèmes avec un regard hors du commun, ouvrir des pans de compréhension qui permettent parfois de comprendre ce qui est parfois assez mystifié, hermétique pour beaucoup à comprendre dans notre quotidien. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nos différents intervenants sont encore disposés à apporter leurs éléments d'analyse, leurs éléments de réponse à vos questions, à vos interrogations sur des thèmes qui vous intéressent. En tout cas, nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Periscope et Twitch, grâce auxquels vous avez accès à des chats. Et n'hésitez pas donc à faire à tout moment de l'émission, remonter vos différentes réactions sous la forme de questions, de commentaires, de témoignages écrits. Donc n'hésitez pas à partager tout ce qui remonte de vous par rapport à ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Cela va permettre d'alimenter les échanges, d'agrémenter, puis de nous assurer que l'orientation répond bien à toutes vos questions. Le temps de saluer, j'ai vu déjà Olivier Carola sur YouTube qui nous a salué, Marie Gilbert, Virginie 41, Aubin Wickham et Brigitte Maffaud et Annick Jamyang qui nous ont déjà salué. Donc faites comme eux, vous pouvez effectivement vous signaler et puis donc poser vos questions et mettre vos commentaires et témoignages écrits. Le siècle de la vitesse, c'est un thème que nous allons commencer à aborder ensemble aujourd'hui avec notre premier intervenant du jour qui est Luc Bumail, que l'on ne présente plus. Bonjour Luc. Donc Luc, peut-être que le micro est encore fermé. Donc il c'est à toi la parole. Le micro est ouvert. J'espère que vous m'entendez. Oui, ça y est, on t'entend très bien. Donc, voilà. Je te saluais. Merci de participer à cette émission. Nous allons être dans une forme un petit peu interactive encore aujourd'hui autour de ce thème, le siècle de la vitesse. Le temps peut-être de régler peut-être la caméra. Il me semble qu'au niveau de notre intervenant Luc, il y a la caméra qui n'est peut-être pas bien cadrée pour que tous nos spectateurs puissent bien te voir et percevoir ton message. Bon, on va y aller. Faut baisser un petit peu la, juste baisser un petit peu l'écran. D'après mon retour, voilà, ça va mieux quand même. Parfait, ça va mieux. Voilà, on te voit. Voilà, donc merci, bienvenue. Donc le siècle de la vitesse, donc c'est un thème qui va nous permettre de revenir sur une notion que nous avons déjà même abordée lors d'une heure de direct, à savoir la notion du temps et puis ce lien avec la notion de vitesse et puis ce que j'ai moi écrit, le ressenti d'accélération, puisque on va se poser la question quant à cette effectivité ou est-ce qu'il ne s'agirait que de ressenti. Et pour qui? Voilà, donc nous allons commencer déjà par te laisser la parole. Le siècle de la vitesse à toi, qu'est-ce que cela t'inspire, Luc? Voilà, encore une fois, merci Angéline. Et puis bonjour à tous nos amis qui nous font l'honneur de partager toujours ces moments extraordinaires, les moments d'échange. Alors, le siècle de la vitesse, qu'est-ce que ça évoque pour moi?
D'abord, il faut rappeler que c'est un terme que personnellement j'entends depuis mon tout petit âge. C'est-à-dire que j'étais encore un adolescent et j'entendais parler du siècle de la vitesse. Et lorsqu'on s'y penche, je commencerai par utiliser quelques images sur lesquelles d'ailleurs je réfléchissais ce matin et même hier. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais connu au niveau de son imaginaire ce que c'est que la France, ce que c'est que les États-Unis, par exemple, et que on arrive à parler à cette personne, lui donner une description de la France, ou bien des États-Unis, ou bien de tout autre pays, ou même de tout autre objet. Vous verrez que cet individu aura le temps à pouvoir rejoindre dans son imaginaire de manière précise ce que c'est que la France. Vous voyez, dans son imaginaire. Donc ça, c'est comme si son imaginaire sera au ralenti. Quant à arriver à pénétrer ou à percevoir clairement ce dont on lui parle. Et vous prenez un autre individu pour essayer de comprendre. Parce que la France ou bien les États-Unis vont représenter ici une boule d'énergie, une sorte de champ magnétique. Et ce qui fait que plus l'imaginaire est éloigné du centre de ce champ magnétique, plus cet imaginaire a du mal à le rejoindre rapidement. C'est-à-dire que ce champ magnétique n'exerce pas une influence très rapide sur l'imaginaire de l'individu. Et transposons cet exemple autrement. Vous avez quelqu'un qui connaît la France sur le plan imaginaire. Peut-être qu'il y a été, ou alors on lui a expliqué exactement ce que c'est que la France. Dès que vous évoquez la France, à la vitesse de la lumière, son imaginaire voit de quoi il est question. Mais est-ce que c'est sa pensée qui est rapide? Non. C'est justement ce que la France représente comme force magnétique qui va déterminer, qui va expliquer la vitesse de la pensée, la vitesse de l'imagination de cet individu. Vous voyez ce que j'ai décrit. Et ça, c'est très important pour comprendre, parce que quand nous allons voir un peu, je vais vous lire un petit texte qui est certainement très, très bien connu parce que je l'ai trouvé sur Internet, sur Google, pour comprendre parce que l'expression même a été mise sur pied par les observateurs de l'évolution de la société ou l'évolution scientifique et technologique. Et on a observé comment les individus étaient caractérisés avant l'ère de la révolution industrielle. C'est-à-dire, on a évolué dans la connaissance des lois de la physique, les lois de la nature, et à partir de là, on a rapproché des êtres humains des forces qui sont, on peut dire, métaphysiques. On leur a rapproché de ces forces-là, sous la forme des voitures, sous la forme des avions, sous la forme des maisons, et ainsi de suite. Donc, en rapprochant, on peut dire, l'au-delà, ou alors dimension métaphysique des individus, ça a modifié le rythme de pensée des individus, ça a modifié le comportement des individus. Donc, en fait, ce ne sont pas ces individus qui pensent. Donc, ce qui veut dire qu'avant qu'on arrive à ces niveaux de structuration des choses, à ces niveaux d'architecture, qu'on arrive à ces niveaux avancés, on avait plutôt affaire aux individus qui étaient nonchalants. Vous voyez qu'ils étaient nonchalants. Bon, ils n'avaient pas de l'empressement, par exemple, pour posséder. Ils n'étaient pas aussi exigeants pour pouvoir posséder des choses. Mais au fur et à mesure que le niveau d'architecture a évolué, parce que ces niveaux d'architecture, tout ce que nous voyons, les formes que nous observons, en réalité, c'est une combinaison d'éléments qui viennent de très, très loin. Et puis, ces éléments-là ont pour objectif exactement, lorsqu'on les rapproche de vous, ce sont ces éléments qui influencent le comportement des individus. Ce sont ces éléments qui dictent le comportement, qui dictent les désirs, qui dictent les envies. Donc, plus on évolue, donc, on rapproche, on peut dire, on rapproche du bas astral, les éléments tirés du haut astral. C'est comme on le dit au niveau de
comment dirais-je, ce qui, les astrophysiciens, généralement, quand ils disent que nous sommes dans un espace qui est défini comme le système solaire. Donc, ce qui fait que les galaxies qui sont beaucoup plus proches du centre vont très vite. Mais ce ne sont pas ces galaxies elles-mêmes qui vont très vite. C'est plutôt la vitesse ou la puissance du centre, donc le centre de rotation de toutes choses, en réalité, qui propulse ces galaxies très vite. Maintenant, les objets qui sont éloignés de ce centre de rotation, ces objets vont lentement. Pourquoi? Parce que la vibration qui vient de très haut les atteint lentement. Donc, en fait, ils vont très lentement. Et à partir de ça, donc, on peut comprendre que ce que les gens, ceux qui ont parlé de la vitesse, l'observation qui est derrière, la pensée qui est derrière, en réalité. Donc, je vais, excusez-moi, je vais lire ce texte avant de revenir dans ce que je vais dire. Alors que la diligence symbolise le niveau de vitesse du siècle dernier, le satellite stationnaire des télécommunications 5.3, les voitures de course ultra rapides et le centre de contrôle des mouvements d'avions à Orly, par exemple, sont autant d'exemples de l'évolution dont le XXe siècle est le témoin. La vitesse est le caractère dominant du XXe siècle. Alors, pourquoi la vitesse, ce qu'on observe comme vitesse, est le caractère dominant? Bon, simplement parce que XXe siècle, on peut dire, on a un rapprochement du haut astral, considéré comme le principe même de force, principe de propulsion, plus on le rapproche du bas astral, plus effectivement, c'est le haut astral qu'on voit en mouvement. Donc, ceux qui observent très bien, ils savent que ce ne sont pas des humains qui sont en mouvement, ce ne sont pas des voitures qui sont en mouvement, ce ne sont pas des avions. Donc, nous avons simplement ici en mouvement de l'énergie. Bon, et cette énergie qui a une source, qui a un principe. Donc, c'est cette énergie en réalité dont on observe à travers la vitesse de rotation des individus. Et donc, sur cette base-là, donc, Angeline, on peut parler du siècle de la vitesse. C'est qu'avant, on parle d'avant, ça veut dire qu'il y a eu des siècles avant, donc on n'observait pas cette même vitesse de rotation. Vous voyez, parce qu'on observe clairement aujourd'hui que lorsque quelqu'un a besoin d'avoir quelque chose qui est créé par le champ magnétique social, il veut l'avoir tout de suite. On observe là ces caractéristiques d'impatience, par exemple, c'est ça même qui se traduit par la violence, parce que c'est que quelqu'un veut avoir tout de suite, et quand il n'arrive pas à l'avoir, il y a la frustration qui découle derrière. Est-ce que c'est des individus eux-mêmes? Non, c'est que nous avons un champ de force, un champ magnétique dont la vitesse va croissante. On parle de l'augmentation de l'intensité vibratoire, n'est-ce pas, qui se développe? Cela grâce à ce que l'on a appelé développement scientifique et technologique. On voit une nouvelle architecture apparaître. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre, en te laissant reposer les questions suivantes, ce qu'on va appeler ici le siècle de la vitesse. Merci beaucoup à toi, Luc, pour cette entrée en matière. Ce que le siècle de la vitesse t'inspire, donc, c'est cet effet dans les populations et dans l'environnement, dans l'architecture, on va dire, sociale, de cette augmentation quant au désir. Tu parlais de champs magnétiques qui émettent des ondes, des corps, des grands corps qui émettent des ondes et qui créent donc des désirs, un désir d'acquisition, d'acquisition par les uns et les autres. Et donc, ce désir étant de plus en plus amplifié entraîne cette notion de vitesse. On court vers de plus en plus vite vers l'objet des désirs, avec cette montée d'impatience que tu disais, qui donc va peut-être faire ce sentiment d'accélération, peut-être même pour certains que les choses ne vont pas assez vite dans le sens de l'obtention de ces fameux désirs. Donc, nous allons revenir petit à petit dans les sous-thèmes induits par notre analyse du jour, la notion du siècle de la vitesse. Donc, effectivement, il y a déjà cette dimension historique par rapport au point que tu nous as d'ailleurs lu, où il disait ceux qui observent la société, peut-être même qui participent
à la construire, appelait le siècle précédent le siècle de la diligence et maintenant il l'appelle le siècle de la vitesse. Alors lorsqu'on va rapidement lire ce que quelques encyclopédies ou dictionnaires disent déjà de la notion du temps et puis ensuite de la notion de vitesse, on va voir qu'elles sont liées à une notion d'objectif, de changement, d'évolution, de mouvement dans l'atteinte d'un objectif. Voilà. Donc, c'est pourquoi ma première question sera de savoir, lorsque ces observateurs eux-mêmes parlent donc d'un siècle de la diligence, puis d'un siècle de la vitesse, de quel objectif parlent-ils? Par rapport à quoi, par rapport à quel objectif assimilent-ils cette notion de vitesse qui augmente avec la mutation sociale? Voilà. Je pense que tout va dépendre pour arriver à identifier ou à définir de quel objectif ces auteurs parlent. Tout va dépendre du point à partir duquel chacun, le point où chacun se tient, par exemple. Donc, imaginons que vous avez quelqu'un qui représente des constructions qui vont au-delà du champ magnétique social, c'est-à-dire la base de ces informations qui construisent sa personnalité et à travers la personnalité qui construisent un but à atteindre. Généralement, c'est des gens qui se présentent comme des chercheurs. Donc, ce qui fait que les objectifs qu'ils ont ne sont pas forcément imposés ou créés par le champ magnétique social. Voilà. Donc, lorsqu'il va parler de l'objectif, l'objectif peut-être peut concerner pour lui l'ambition de comprendre davantage les lois de la physique et participer à organiser l'espace social. Et par ailleurs, vous trouvez quelqu'un d'autre qui, lui, ses désirs, ses envies, ses préoccupations sont dictées totalement par le champ magnétique social, par l'environnement social. Bon, cet individu aussi va parler des objectifs. Mais ces objectifs vont renvoyer totalement aux besoins qui sont créés quotidiennement par la société. Les besoins de se réaliser selon les normes établies par la société, c'est-à-dire, par exemple, aller à l'école, se construire une maison, se faire une provision, entre guillemets, financière, de telle manière à montrer à ceux qui sont autour de lui qu'il a eu les capacités de pouvoir se conformer à ce que la société appelle réussite. Bon, et puis, au-delà de ça, au fur et à mesure que nous avons une société entièrement consommatrice, donc pour l'individu, l'objectif va être d'accroître ses capacités de consommation. Il va appeler ça objectif, même si cet objectif en réalité ne vient pas de lui. L'objectif est créé totalement par l'environnement social. Donc, ce qui fait que la notion de l'objectif va être subjective, donc en fonction de la position où chacun se tient, en fonction du monde que chacun représente. Et avant de te laisser poursuivre la question, parce que c'est une question assez complexe, on ne l'aborde pas en prenant des exemples, par exemple du quotidien, les exemples liés à notre fonctionnement, on aurait de la peine à comprendre lorsqu'on parlait du siècle de la vitesse. Alors prenez deux individus donc, qui ne représentent pas un volume de force égale. Vous leur donnez à chacun un objet et vous demandez à chacun de jeter. Les deux, vous leur demandez de jeter ces objets au même moment, vers la même direction. Vous verrez que selon le décalage de force et de pression que les uns et les autres représentent, les objets n'iront pas à la même vitesse. Vous voyez, donc c'est lui qui représente une force importante, l'objet qu'il envoie, parce que lui, il considère un peu comme on le considère comme un principe qui propulse. Vous voyez, qui envoie de la vibration. Donc la vitesse de l'objet sera proportionnelle à la puissance de l'individu qu'il envoie. Et l'autre individu qui n'est pas exactement de même puissance, la vitesse de l'objet qu'il envoie ne sera pas exactement la même chose. D'ailleurs, c'est ce mécanisme d'ailleurs qui va permettre à ceux qui organisent la société, ceux qui dirigent, de contrôler les individus. Parce que si la société représente un champ magnétique qui crée tes désirs, qui crée ton état de conscience, ce dont tu es conscient, qui crée tes projets, qui crée tes préoccupations. Tu ne peux pas aller au-delà du champ social. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce champ magnétique-là va représenter un bouclier.
Donc, une force qui empêche à ce que tu échappes au contrôle. Parce que c'est la vitesse du champ magnétique qui va propulser quotidiennement tes mouvements, ainsi de suite. Et je prenais cet exemple ici hier, que prenez l'exemple de quelqu'un qui vit en campagne, par exemple dans les campagnes africaines, et quelqu'un d'autre qui vit dans une zone urbaine. Ces individus-là n'auront pas la même pression, ou la même pression d'acquisition, entre guillemets, des objets sociaux. Vous allez voir que quelqu'un qui vit en campagne, généralement, est caractérisé par la nonchalance, parce que l'environnement des campagnes ne représente pas le même champ magnétique propulseur que l'environnement de la ville, alors que celui qui est de la ville va être en course tout le temps. Vous voyez, mais ce n'est pas lui qui court. Ce sont les exigences créées par l'environnement où il se trouve qui sont en mouvement. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, vous allez donc dire que celui de la ville va très vite et celui de la campagne va lentement. Mais si vous allez voir, pour comprendre en réalité le décalage, en fait, la différence entre lorsqu'on parle du siècle à vitesse et un siècle qui allait doucement. C'est qu'à l'époque, lorsque les gens allaient tout doucement, le niveau de conscience sociale n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme lorsque vous allez en campagne, vous trouverez, on appelle souvent des campagnards. C'est des gens dont on estime qu'ils sont des villageois. C'est-à-dire que celui qui vient de la ville, il estime que lui, il a avancé en conscience. Il a avancé en conscience. Mais c'est la conscience qui le caractérise, ce n'est pas lui, c'est la ville. Donc, à partir de là, on peut comprendre donc la différence. Et c'est de là, donc, en général, avant de remettre la parole, que va donc se trouver la différence de ce que l'on a, différenciation de l'objectif. Tout le monde va parler de l'objectif, mais on ne va pas renvoyer à la même chose. Merci beaucoup, Luc. Nous continuons et il y a ce mot, cette expression que tu as utilisée, la notion de subjectivité dans cette notion d'objectif et puis qui aura donc cet effet au niveau du quotidien et qui va même faire intervenir une notion de relativité. Finalement, tu prenais l'exemple de la différence entre celui qui se trouverait en campagne et celui qui se trouverait en ville. Donc, par rapport à cette notion de subjectivité, me remontait ce que beaucoup disent, on entend de plus en plus, que finalement, même la notion du temps, la notion donc de vitesse, etc., accélération, tout ce qui est consécutif à la notion du temps, serait une illusion. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cela? Est-ce que la notion de subjectivité dont tu parles fait écho à cette notion d'illusion que serait le temps? Oui, bien sûr. Tout ce qui est subjectif revêt forcément un caractère illusoire. Donc, la subjectivité, je crois, c'est la base même de ce qu'on peut appeler ici la relativité. Donc, ça veut dire que si c'est que l'on observe, il croit que cela est vrai à partir du point, son point d'observation qui réellement n'est pas renvoyé en delà de son imaginaire, et l'autre qui observe la même chose à partir d'un point différent ne verra pas la même chose, mais chacun croira avoir une vision vraie des choses, une vision vraie de la chose. Donc, ce qui fait que la notion du temps, quand on remonte très loin, on parle de la notion du temps. Si nous considérons, par exemple, comme on a dit, que le système solaire, il y a un point principal, un point primaire, dont on observe la force ou la puissance à travers tout le mouvement que l'on observe. Mouvement des galaxies, mouvement des humains, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si on remonte plus loin pour parler du temps, c'est ce principe qui serait le temps. Vous voyez, le temps ne serait donc pas en ce moment-là, selon la conception sociale qu'on va avoir du temps. Donc, c'est pour ça que c'est cette conception sociale du temps qui est illusoire. Donc, le temps comme le mouvement de l'énergie. Donc, il faut rentrer à la source primaire de toute chose pour comprendre vraiment la notion du temps, le temps éternel, en d'autres termes, si nous rentrons. Donc, à partir de là, on comprendrait d'ailleurs que lorsqu'on parle du temps, on peut observer le mouvement du temps, ou le mouvement du principe, ou le mouvement de l'éternité, à travers les objets par lesquels il fait, il se fait observer, il se fait observer ou se fait ressentir, et ces objets-là ne sont pas à confondre avec le temps lui-même. Donc, on remonte à la source, on va comprendre que le temps, c'est le principe, en réalité, qui détermine le mouvement de tout. Bon, maintenant, au niveau social, la notion, la conception du temps a permis quand même d'organiser un espace économique, de créer un marché, en réalité, et puis de conditionner des individus, parce que là, on parlait de l'objectif tout à l'heure, l'objectif lui-même va être lié à cette notion du temps.
Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, plus on estime que le temps passe et qu'on n'arrive pas à réaliser les objectifs tels que la société les détermine, on pense que le temps passe, on perd le temps. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, c'est une leçon qui va être pensée par les architectes sociaux et qui va rendre possible de pouvoir organiser donc un espace économique. Parce qu'on voit que d'ailleurs, le travail lui-même, la valeur du travail est calculée par rapport au temps. Vous voyez, le salaire est calculé par rapport au temps. Mais je parle là de la notion du temps social. Donc, c'est cette notion-là qui est illusoire. Mais si nous remontons à la source elle-même, pour comprendre ce que c'est que le temps en lui-même, si nous l'observons à partir de la source, ben, il n'est pas illusoire. Merci beaucoup à toi, Luc. J'avoue que je n'ai pas entendu ton dernier mot. Le temps par rapport à la source n'est pas illusoire. Merci beaucoup pour la technique de me relayer ce dernier mot. Effectivement, par rapport à cette notion d'illusion et par rapport à cette notion finalement d'un concept social accordé à cette notion de temps, cela fait écho à une définition que j'ai vue sur le Dicophilo, un dictionnaire philosophique. Et lorsqu'on lui demande que dit la philosophie du temps, il nous dit effectivement que le temps, c'est un concept philosophique. Donc, c'est une dimension du réel qui rend possible et compréhensible le changement. Donc, c'est un concept, en tout cas social, qui a été établi pour pouvoir, dans cet espace déterminé, donc mesurer, évaluer, opérer des changements, des mutations dans la société et puis mesurer cet effet au niveau des populations, ce qui peut-être n'avait pas été possible avant de pouvoir conceptualiser les choses ainsi. Et puis même dans toutes les autres déclinaisons de cette notion de temps qui est présentée, il y a toujours cette notion de limite, d'un espace, d'un concept bien défini, bien déterminé en fonction des objectifs sociaux. Donc effectivement, il y a cette notion de temps, du temps, parce que quelqu'un qui, par exemple, est de la société, lui dire que le temps est une illusion, je pense qu'il ne peut pas le percevoir parce qu'au quotidien, n'est-ce pas, comme tu disais, par rapport à la notion de travail, par rapport à l'obtention des moyens d'atteindre ses désirs, n'est-ce pas, la satisfaction de ses désirs, n'est-ce pas le temps qui le met en mouvement. Donc, il y a vraiment cette conceptualisation au niveau social du temps qui est réelle pour les uns et les autres et donc qui, de façon subjective, comme tu le disais, permettent à chacun d'évaluer ce qu'il appelle la vitesse plus ou moins rapide de l'élan, de leur capacité d'aller vers l'assouvissement de leurs besoins et de leurs désirs. Et ce qui me venait par rapport aussi au point que tu partageais en amont, donc ce décalage entre la capacité de pouvoir effectivement bénéficier de ce mouvement énergétique, donc au niveau sociétal entre autres et aussi au niveau universel, qui peut s'appeler le temps. En fait, au niveau des uns et des autres, il y en a certains qu'on va voir qui seront comme propulsés par cette énergie et d'autres finalement qui vont, tu parlais d'un champ magnétique, être comme tassés et empêchés d'aller vers. Donc, est-ce que les uns et les autres, déjà, qu'est-ce qui explique cette différence? Pourtant, on est dans un monde où tout est mis à disposition. Il y a beaucoup d'informations qui sont mises à disposition. Il y a de plus en plus de moyens. Tu parlais des voitures, tu parlais effectivement même de ce caractère numérique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce décalage dans cette capacité soit de propulsion ou bien de ceux qui restent tassés par ce champ magnétique? Il y a certainement d'autres intervenants là, Armand, Yann Kiri, le reste, qui en diront quelques mots dessus. Mais je pense que ce décalage, il faut aller le chercher dans la manière dont les uns et les autres sont programmés par la société. Vous voyez, parce que, prenons l'exemple que la société, quand on dit société, ça renvoie à une personne morale qui est, entre guillemets, la réalité, société, personne morale.
Bon, et puis cette personne morale va avoir des multiples représentations. Représentations humaines, d'autres types de représentations que l'on observe. Et ceux qui vont avoir conscience que eux, ils ne sont pas, c'est la personne morale qui est, ne représenteront pas la même puissance que ceux qui vont penser que il y a eux et la personne morale. Vous voyez, parce que la personne morale, généralement, revêt ici un caractère divin, c'est-à-dire un caractère de l'absolu. Quand on dit l'absolu, ça nous renvoie aussi à la conception que la société a de l'intelligence, parce que la personne morale va être considérée ici comme le principe de l'intelligence, le principe de l'intelligence, c'est-à-dire le puits des facultés qui donc peut être prêté aux humains. C'est-à-dire c'est lui qui va conférer ce qu'on va appeler ici des dons aux hommes. Et à travers ces dons-là, justement, c'est pour que les différents éléments auxquels il accorde des dons, dont certaines capacités, que ceux-ci puissent représenter de la ressource au service de la personne morale, pour permettre à la personne morale. Mais là-dedans, il y en a qui vont être conscients qu'ils sont la représentation directe de la personne morale. Et leur niveau de représentativité de la personne morale ne sera pas le même que ceux qui sont coupés de cette conscience de représentation de la personne morale. Donc, ces personnes vont penser que quand elle dit je, quand je dis je, que ça renvoie vraiment à moi. Or, le je, ça renvoie à l'être, donc la personne morale. La personne morale va se substituer ici au principe de rotation de tout au niveau social. Donc, avec la capacité de découper de la source même absolue, du véritable absolu. Donc, c'est de là, c'est à ce niveau-là que va se situer justement le décalage qu'on va observer au niveau social. Bon, on peut le voir selon les différents milieux familiaux dont nous sommes issus. Les gens qui vont être issus des milieux familiaux où les parents sont très conscients qu'ils représentent la personne morale au plus haut niveau, donc c'est ça qui va faire leur ascendant sur les autres, ils vont transmettre ces repères à leurs enfants. Et puis les enfants aussi vont être conscients qu'ils représentent au plus haut niveau la personne morale. Et quand les parents ne sont pas là, ce sont ces gens qui sont là. Bon, et il y en a d'autres qui vont sortir des environnements, des milieux sociaux où ils vont recevoir d'autres repères. C'est comme à peu près un animal que tu as sorti de la forêt. Au moment où tu le sors de la forêt, c'est une force terrible. Mais lorsque tu le sors de la forêt, tu le ramènes chez toi, tu isoles la dimension qui est reliée à la forêt. Donc, en fait, tu finis par faire un objet que tu contrôles. Donc, vous voyez, donc cet animal, en réalité, ne représente plus la même force, la même puissance, la même conscience que l'animal qui était dans la forêt. C'est à ce niveau-là qu'il faut aller rechercher le décalage. Donc, au niveau de ce que j'appellerais ici l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, parce que c'est un mécanisme qui va permettre aussi de pouvoir contenir ces multiples énergies. Parce que réellement, si on n'arrive pas à couper les individus de leur source, de la conscience réelle, c'est-à-dire de ce champ magnétique, je parle même du champ magnétique social, je pense qu'on aurait des difficultés à pouvoir contenir, à pouvoir contrôler, à pouvoir gérer ces différentes puissances. Donc, le fait de couper chacun, de couper un grand nombre, de couper de la conscience d'être la représentation de la personne morale, c'est comme si tu mets un gendarme derrière chacun. Donc, tu rends chacun son propre gendarme de se protéger pour qu'il ne puisse pas déborder les limites. Oui. Merci beaucoup. Oui, comme tu le disais, Luc, nous avons d'ailleurs un deuxième intervenant qui nous a déjà en amont proposé son point d'analyse, des points d'analyse. Mais juste avant, j'ai deux dernières questions à te poser pour clôturer notre échange interactif. Donc, toujours dans cette notion de subjectivité et de relativité, quand j'analyse, par exemple, au niveau, comme tu dis, pratique, au niveau du quotidien, lorsque une personne lambda va se dire que les choses vont très vite, ce que j'ai pu observer, c'est que soit il a une tâche où il se dit qu'il a des choses à faire, et lorsqu'il analyse donc le rapport de ce qu'on lui a fait voir comme le temps et sa capacité, son positionnement présent dans l'atteinte de son objectif, il s'en voit encore éloigné. Et donc à ce moment-là, quand il analyse ce rapport, c'est là qu'il évalue que les choses vont très vite, comparé à quelqu'un. Donc, les choses vont très vite. Et donc, comme tu parlais, il a cette notion d'impatience
à pouvoir enfin être dans un état rapproché quant à l'atteinte de ses objectifs. Et donc, pourquoi je relais ça? C'est pour savoir, est-ce que tout le monde a ce ressenti d'accélération? Est-ce que ce n'est pas lié à effectivement cette dimension de compréhension peut-être limitée qui n'arrive pas à canaliser peut-être ce mouvement autour de soi pour pouvoir atteindre ses objectifs, se voyant comme à chaque fois en décalage, en retard par rapport à ce qui se passe comme observateur. Donc, je ne sais pas si tu as bien perçu ma question. Je pense cerner un tout petit peu ce que tu poses comme question. L'expérience montre quotidiennement qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément le même ressenti de l'accélération ou non-accélération du temps. Ce que je vais appeler temps ici, c'est le mouvement de ce champ magnétique social. Voilà, parce que je répète encore que lorsque les informations ou les matériaux à partir desquels on a été structuré viennent directement du champ social, c'est ce champ social qui va construire la notion que l'on se fait du temps, accélération ou non-accélération. D'ailleurs, l'expérience au quotidien montre que lorsque vous mettez 3, 4, 5 individus ensemble, certains auront l'impression que le temps va vite en fonction de ce qu'ils ont comme objectif, et d'autres auront l'impression que le temps va lentement en fonction aussi des paramètres qui vont déterminer leur quotidien. Vous voyez, lorsque vous avez quelqu'un qui brûle d'une très grande passion d'arriver à la réalisation des objectifs créés par la société, il va avoir l'impression que le temps va très vite. Bon, ce n'est pas lui qui a cette impression. Vous voyez, c'est son rapprochement de l'objectif qui vient de ce champ magnétique, en fait, qui crée cette illusion, qui crée cet imaginaire. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas exactement représentatif ou alors dépendant du même objectif, il ne va pas avoir le même ressenti. Il ne va pas avoir la même impression. Vous voyez, donc, lui va avoir l'impression, selon que sa journée est morose, il n'a pas d'objectif, il ne sait pas vraiment quoi faire, il va avoir l'impression que le temps va très lentement, que le temps va très lentement. C'est comme s'il vit une éternité. Mais pourquoi cela? Parce qu'il est totalement coupé de la source du mouvement. Vous voyez, et généralement, la plupart des temps, pour que vous ayez une telle imagination, il faut, quand vous allez voir à l'intérieur de l'individu, c'est qu'on est déprimé, on est angoissé, on est en détresse, on est préoccupé par des situations qui nous coupent vraiment, entre guillemets, on pourrait dire, de l'onde sociale, du champ de force sociale, qui vous coupe vraiment. Et vous avez l'impression que le temps va très vite. Donc, c'est pour ça que tous ne vont pas avoir la même impression. Tous ne vont pas avoir le même ressenti. Bon, mais ça aussi, c'est très bien coordonné par la société pour que chacun puisse jouer son rôle. Vous voyez? Bon, donc, ceux qui sont conscients au plus haut niveau de l'accélération, entre guillemets, l'accélération de ce qu'on peut appeler temps. Le temps, ils ne vont pas le définir comme étant le mouvement social. Ils vont le définir à partir de la sphère dont eux, ils sont la haute représentation, le haut astral. Ces gens qui observent la nature, qui observent l'environnement social à partir du haut astral, ils vont savoir qu'ils sont des acteurs même de l'accélération de l'espace social. Parce qu'au fur et à mesure qu'on ramène dans cette bulle, on ramène dans cet espace les éléments venant donc de ce haut astral, en fait, ce qu'on voit réellement en mouvement, comme les gens parlent du royaume de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens, on dit, se développent en Dieu, ben, ce qu'on voit se déployer au travers d'eux, c'est Dieu. On voit une transformation qui se fait dans les individus. Vous voyez, donc ça fait que si les gens sont exactement au même niveau de conscience, de représentation, que ce soit de la personne morale dans l'espace social, ils vont avoir le même ressenti, mais s'ils ne sont pas au même niveau de la conscience de représentation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous conscients qu'ils représentent, là, ils sont la projection de la personne, là, ils n'auront pas le même ressenti. Donc, c'est ce qui créerait le décalage. Merci beaucoup, Luc. Donc, effectivement, il semble même que dans la société, puisqu'on reste à cette dimension au niveau du ressenti de l'accélération, donc dans la société, il semble qu'il y a ceux qui imposent le tempo, ceux qui imposent que d'autres voient que les choses
s'accélèrent, notamment dans cette dimension de gouvernance. Donc, ceux qui ont une perception, on va dire plutôt métaphysique de l'environnement, qui ont une certaine capacité de la canaliser vers l'atteinte de leurs objectifs et qui, on voit en, par exemple, ce que nous expérimentons en peu de temps, entre 2019 et aujourd'hui, en 2021, on réussit à déjà commencer à transformer la société. Comme j'entendais quelqu'un le dire dernièrement, qui l'eût cru qu'en même pas une année, on serait à porter des masques, on serait à avoir peur de s'embrasser, qu'on serait à être à une première, deuxième, troisième injection d'un matériel génétique pour, entre guillemets, se penser sauver ou protéger d'un virus. Les choses ont été, il y a un tempo qui a été imposé aux autres qui voient cela comme une accélération. Donc, cela m'amène à te poser cette dernière question. Pourquoi ils imposent ce tempo qui paraît si rapide? Pourquoi ce siècle de la vitesse, il amène où? Où va-t-on? Pourquoi on va aussi vite vers quoi? Mais, je pense qu'eux, ils n'estiment pas qu'ils soient en train d'imposer quoi que ce soit. Ils se regardent, ils se considèrent comme des architectes qui reçoivent leurs informations d'un supposé grand architecte. Vous voyez, donc, ils participent à construire un ordre et puis à le faire évoluer selon le plan du grand architecte. Donc, ça fait qu'ils reçoivent, ils pensent recevoir des informations de cette source-là, qu'ils considèrent, on l'a dit plusieurs fois ici, d'ailleurs, qu'ils considèrent comme le divin. Donc, ça veut dire que c'est lui qui n'obtempère pas, qui ne se soumet pas à ces orientations dont les architectes pensent recevoir du divin, il ne mérite pas de vivre. C'est-à-dire, c'est comme s'il s'opposait même à la volonté du divin. Vous voyez, comme s'il s'opposait à la volonté du divin. C'est même sur cette base-là que même la notion de la justice est établie. La notion même de la peine de mort. C'est quand, en réalité, lorsque vous violez une loi, selon la hiérarchisation des lois, lorsque vous violez une loi qui montre que vous êtes allé à l'extrême, quand on vous enlève la vie, on estime le faire au nom de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui inspire les lois. Il n'y a que Dieu, entre guillemets, qui inspire les normes, qui établit les normes. Donc, si quelqu'un viole cette norme-là, ben, il ne viole pas la norme de l'intermédiaire, mais il viole la norme de l'initiateur même de la norme. Vous voyez, donc, c'est pour ça que les gens croient le faire au nom de Dieu. Donc, en fait, on parle là de la réorganisation de la société, une nouvelle organisation, ou alors un nouvel ordre mondial. Donc, ça suppose qu'il y a eu un édifice, maintenant on estime qu'il est caduque, il faut le faire évoluer selon les plans du maître, selon les plans de l'architecte. Vous voyez, donc quand on transmet ces informations, on transmet ces plans-là, bon, entre guillemets, on estime que le maître a organisé l'espace de telle sorte qu'il y a une force d'exécution. On doit amener tout le monde à pouvoir exécuter ces normes, parce que c'est l'exécution de la norme qui a pour conséquence la transformation. Si vous ne vous soumettez pas à une orientation qu'on vous donne, vous ne serez jamais transformé. Donc, si vous voulez transformer quelqu'un, lorsque vous lui donnez des instructions, veillez à ce qu'il applique ces instructions. Sinon, la personne restera la même, elle ne sera pas transformée. Donc, c'est des gens qui pensent vraiment qu'ils obéissent aux ordres de Dieu, entre guillemets, ce qu'ils appellent Dieu, qui n'est pas Dieu pour tout le monde. Ils pensent vraiment qu'ils sont des architectes, ils pensent vraiment qu'ils reçoivent des instructions. Ils sont au service d'un plan divin. Voilà. Et puis, on a organisé l'espace social, de sorte qu'il y a des armées, il y a des forces de l'ordre. En fait, il y a, comme disait le pape, il y a toutes les ressources inépuisables pour que le plan soit réalisable. Donc, maintenant, c'est celui qui est structuré par les maîtres et qui ne comprend pas le plan de ce que disent les maîtres, c'est lui qui pense qu'on le nuit. Voilà, on nuit à ses intérêts. Voyez, on va contre ses intérêts. Lui, il pense comme ça parce qu'il n'a pas le même objectif que ceux qui croient être en lien avec le maître, parce qu'eux, ils pensent qu'ils exécutent le plan du maître. Ils ne sont pas là pour exécuter le plan de la population.
Vous voyez, parce que la population a ses, bien sûr, ses intérêts qui ont été créés, parce que ça sert aussi à l'exécution du plan du maître. Donc, il y a un décalage dans la perception des choses, dans l'appréciation, n'est-ce pas, des objectifs. Et forcément, nous ne pouvons pas arriver à la même analyse des ordres ou des ordres qui sont donnés. Merci, merci Luc. Permets-moi juste une dernière question avant de passer à nos deuxièmes intervenants par rapport au point que tu soulignes. En fait, me venait cette pensée que quand on est sûr d'atteindre un objectif, on a souvent un pas, comment dirais-je, assuré, rassuré, pas précipité. Là, il semble que, au niveau de cette notion de gouvernance, est-ce que cette notion d'accélération, ce ressenti d'accélération, est-ce que ça peut pas être perçu comme une espèce de précipitation, comme s'il y aurait quelque chose qui pourrait menacer l'atteinte des objectifs? Parce que souvent, quand on se précipite à faire des choses, quand on accentue, on réduit la fréquence des actions que l'on pose dans un laps de temps donné, c'est parce qu'il y a comme une menace ou un affolement. Est-ce qu'on peut... Il n'y aurait pas un peu de ça aussi au niveau de ceux qui sont prétendus gouverner? Oui, je pense que la précipitation peut s'expliquer aussi par le fait que l'on observe qu'il faut rapidement mettre sur pied l'ordre, l'organisation des choses qui constitue une forme de sécurité absolue, c'est-à-dire de contrôle de tout, parce qu'à l'intérieur, il y aurait des éléments. Donc, si on ne va pas vite pour quadriller l'espace, ces éléments pourraient représenter un danger réel. Vous voyez, parce que nous avons affaire à un ordre social qui lui-même représente un modèle de pensée, on dit un modèle de société, donc qui renvoie totalement aux normes qui sont dictatoriales, totalement dictatoriales. Donc, c'est des normes qui sont imposées, mais ce sont ces normes-là, en réalité, qui façonnent la conscience des individus, qui façonnent l'imaginaire des individus, qui façonnent la conception que nous avons de l'homme, de la femme, la conception que nous avons des familles. Et puis, vous verrez que tout le monde les défend mordicus. Vous voyez, d'ailleurs, l'évolution qui est appliquée, ou bien cette évolution qui est un peu rendue possible, évolution supposée, rendu possible par ceux qui se présentent comme des architectes. Bon. Et cette évolution, en fait, est vue par ceux qui, par les conservateurs, ceux qui défendent les repères à partir desquels ils ont été construits, qui ont façonné leur imagination, ils les regardent comme danger. Bon. Et pourtant, même les repères qu'on défend ont toujours été institués par ces gens-là. C'est-à-dire que la conception qu'on a de la famille, la conception qu'on a du succès, la conception qu'on a de l'école, la conception qu'on a de l'intelligence, mais ce sont ces gens-là, dans le fil de l'évolution, qui ont organisé cela. C'est-à-dire qu'on a mis sur pied un mécanisme, un ordre social en réalité qui façonne l'imaginaire collectif, qui façonne l'imaginaire collectif. Voilà. Donc, quelque part, donc, ils peuvent bien observer qu'au sein de cet espace-là, il peut y avoir des éléments qui représentent une autre manière de penser. Voilà. Donc, la manière de voir, la manière de penser vient d'au-delà de la source qu'eux, ils représentent et qui pourrait donc, si cette espèce-là arrive réellement à s'organiser pour constituer une force unique, elle pourrait donc représenter un danger contre la civilisation qu'elle a. Donc, on peut parler du choc des civilisations dont la précipitation va donc être, va s'expliquer un peu par une certaine conception de sécurité. Donc, il faut très rapidement mettre les choses sous contrôle. Vous voyez, soumettre tout le monde à ce qu'on appelle hiérarchie spirituelle. Moi, je me souviens, pour terminer là, j'ai lu des documents il y a plus de 30 ans, à l'époque, je ne comprenais pas. Ces documents, on les trouve au sein du milieu onusien. Et là-dedans, on parlait du nouvel ordre mondial. Et puis, le nouvel ordre mondial était conçu vraiment comme un modèle de sécurité absolue. Et comment on allait atteindre cette sécurité-là? On disait que la sécurité, ce n'est pas l'absence des guerres. Mais la sécurité s'obtient par la connexion de toute l'humanité à la hiérarchie spirituelle. Ce qui rejoint ce que Albert Einstein avait dit. L'univers, c'est un cône. Et puis, au fil du temps, au-dessus, il y a de l'énergie. Donc, si vous voulez le principe, tu pourrais même organiser le cône. Donc, au fil du temps, il y a cette énergie qui descend dans le cône. Et on ne voit que l'énergie. Elle devient information. Vous voyez? Donc, c'est ce qui explique aussi ce qu'on voit, les transformations que nous observons. Ce qu'on peut appeler vitesse que nous observons.
Et pourquoi les gens ont de la peine à s'organiser pour constituer une alternative? Mais parce qu'exactement, ils sont le reflet de champ magnétique social. Parce que derrière, les gens ont été conditionnés à partir d'une certaine conception d'intérêt. Et si vous leur montrez de s'organiser par rapport à un modèle nouveau, c'est comme si leurs intérêts sont menacés. Mais ce n'est pas eux, c'est l'ordre social qui se protège. Vous voyez? Donc, c'est très complexe, c'est une question quand on les touche. Donc, ce qui veut dire que cette précipitation, derrière, certains, on peut voir une certaine frébrilité, oui, mais quelque part, on peut voir là une certaine conception de sécurité. Parce qu'on veut sécuriser la maison avant que le feu n'y arrive. Sécuriser la maison avant que le feu n'arrive. Effectivement, toute personne qui a été formée à la sécurité incendie, comme tu nous dis souvent, c'est que pour vraiment éviter un maximum de dégâts, il faut étouffer le feu. Et si on peut même éviter l'apparition de feu, c'est même le plus important. C'est là qu'on gagne. On gagne en optimisation et on dépense moins d'énergie que s'il faut étouffer le feu. Donc, effectivement, certainement nécessaire de rapidement poser des actions pour un petit peu cadenasser leur environnement déterminé, hein, qu'ils appellent leur monde, comme on dit souvent la société, pour éviter son embrasement, l'émergence d'un feu, ou essayer d'étouffer un feu qu'on a peut-être déjà vu qui est en train de se produire. En tout cas, merci beaucoup, Luc, pour cette disposition, cet échange très intéressant, très complexe, comme on dit certains, très dense, moi je dirais, très profond. C'est pour ça qu'on vous invite à voir et revoir au fur et à mesure nos échanges qui restent disponibles même après le direct sur les différentes plateformes où vous pouvez avoir accès à Mon Chalon TV, notamment YouTube et Facebook. Et puis, comme on dit toujours, faire au fur et à mesure un point par rapport à votre quotidien, parce que la compréhension, normalement, c'est l'être, c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes évolue normalement au fil du temps, au fur et à mesure que l'on se construit. Et certainement, au fur et à mesure, on gagne en capacité de compréhension. Et donc, notre réaction face à ce que nous avons entendu aujourd'hui sera certainement beaucoup plus profonde, en cohérence avec les analyses proposées du jour. Donc, nous avons, avant le début de l'émission, reçu un audio de Thierry Emébitan, Thierry aussi que vous connaissez déjà, car il intervient régulièrement lors de nos émissions, qui se disait ne peut-être pas pouvoir être en direct avec nous. Donc, nous a relayé un audio, donc sa participation à nos échanges. Donc, je vais vous faire écouter. Et comme souvent, les audios sont un petit peu bas, je vais vous faire écouter à partir de mon téléphone pour que vous entendiez avec le micro pour avoir un son suffisamment abordable pour tous. On écoute Thierry. Bonjour Angéline. Je te laisse voice par rapport à l'émission d'aujourd'hui parce que je suis pas sûr d'être connecté au moment où l'émission va passer. Donc, si je veux partager un regard, un point de vue, un regard par rapport au thème d'aujourd'hui sur la vitesse, ce siècle de la vitesse, je résumerai mon propos. Je commencerai par une image. L'image qui m'est venue par rapport à ce thème, c'est celui d'un architecte. Un architecte dont un maître d'ouvrage lui a commandité un édifice qu'il doit construire. Donc, le maître d'ouvrage lui ayant commandité un édifice qu'il doit construire, lui a donné un délai. Donc, du temps. Il a donné un temps pour façonner cet édifice. Et il s'est mis à. Bien sûr, l'architecte s'est mis à l'ouvrage pour façonner, pour répondre aux objectifs du maître d'ouvrage. Plus il appelle, veut dire, plus il façonne les édifices, plus il voit le délai que le maître d'ouvrage lui a donné arriver, plus il accélère la cadence des travaux pour que l'édifice avance et pour qu'il ne soit pas hors délai. Pour qu'il ne soit pas hors délai, donc pour que l'édifice puisse être achevé au moment où le maître d'ouvrage l'a commandité. Veut dire, le délai, pour qu'il puisse respecter le délai que le maître d'ouvrage lui a donné. Donc, plus ce délai approche, voyant comment l'édifice avance, il accélère les travaux pour pouvoir être dans les délais. C'est exactement comme ça que je perçois
C'est cette image-là qui me vient quand je pense, quand je médite sur ce thème. Parce que, je m'explique, l'individu humain est un produit de la société. Et la société est assimilable à un édifice qu'un architecte façonne. Je veux dire, la société est un édifice artificiel, façonné par un architecte. Et l'individu humain n'étant que le reflet de cet édifice-là. Je veux dire, l'individu humain fait entièrement partie de cet édifice. Il fait entièrement partie de l'édifice parce qu'il est intégré dans l'édifice. Donc, le ressenti, ce ressenti qu'il a d'accélération des travaux est tout à fait conforme à la réalité. Je veux dire, est conforme à la réalité du mouvement social. Dans ce sens-ci que, pour construire l'édifice social artificiel, les architectes s'inspirent des lois naturelles qu'ils adaptent dans l'édifice artificiel de façon à le consolider, puis qu'ils puissent tenir dans le temps, puisqu'ils puissent tenir dans la durée. Parce que, au fur et à mesure qu'ils perçoivent des lois naturelles, des puissances naturelles qui peuvent menacer l'édifice social, ils adaptent cet édifice pour pouvoir résister, tenir par rapport aux lois naturelles qu'ils perçoivent. Et dans ce sens-là, l'individu humain, qui est l'une des pierres, qui est la pierre angulaire de cet édifice social, est adapté, est façonné pour répondre. Pour répondre au délai, je veux dire, le délai ici étant celui-là qui a façonné les lois naturelles. Certainement, il l'a façonné pour un objectif. Même si cet objectif-là n'est pas perçu par les architectes sociaux, le créateur qui a façonné les lois naturelles connaît exactement l'objectif pour lequel il les a façonnés, il les a appelés à l'existence. Et ceux qui construisent la structure sociale, voyant comment les lois naturelles évoluent, comment ces lois naturelles évoluent et comment ces lois-là menacent l'édifice social qu'ils ont construit, ils ont tendance, ils adaptent l'édifice aux lois naturelles qu'ils perçoivent. Donc, ils accélèrent la cadence parce qu'ils perçoivent que voilà comment notre édifice, il faut que l'édifice social soit comme ça pour pouvoir résister à n'importe quelle loi naturelle. Quand ils disent n'importe quelle loi naturelle, les lois naturelles qui sont connues par eux. Voilà. Donc, du coup, l'individu social, à son niveau, lui, il ne perçoit pas cette subtilité-là qu'il y a derrière. Lui, il perçoit simplement, il voit les changements au niveau de son environnement et il dit que les choses s'accélèrent. Mais il ne comprend pas pourquoi les choses s'accélèrent. Mais quand on a envie de changer, de le faire aller plus vite, on ne vient pas lui dire va plus vite, disons pas avec les mots comme je suis en train de le dire là. On n'a qu'à changer les lois de son environnement social et il va aller plus vite. Il va aller plus vite parce qu'on sait ce qui l'alimente, on sait ce qui le préoccupe. D'ailleurs, même que ses préoccupations ne lui sont pas propres. Et ses préoccupations sont inspiré de son environnement. Donc, on a à changer l'environnement social pour changer ses préoccupations et pour le faire aller plus vite. Donc, ce ressenti-là qu'on a en termes de cercle de vitesse, cette vitesse-là est apparente par rapport à la source à laquelle on appartient. Cette accélération apparente vient de la société, en fait, vient du fait que on fait partir de l'édifice social artificiel et que dans l'architecture de cet édifice, les architectes qui construisent cet édifice accélèrent la fabrication, le façonnement de cet édifice par rapport à une menace qu'ils perçoivent. Et l'individu qui fait partie de cet édifice, il ne fait que percevoir le fait que ça va plus vite, mais il ne comprend pas pourquoi ça va plus vite. Voilà à peu près ce que je peux partager. J'espère pouvoir être à l'écoute de l'émission. Mais si je pouvais intervenir, Merci Thierry, merci pour cette anticipation très intéressante, très pertinente. Et on voit effectivement la cohérence
avec ce que nous avons déjà abordé en amont avec Luc, les différents points, cette notion de ressenti, ce décalage d'appréciation par rapport à celui qui est effectivement enfoui dans ce champ magnétique social et qui ne comprend pas, qui observe, qui subit presque le mouvement, et puis ceux qui ont une certaine perception d'un objectif dans lequel ils veulent tout enrôler et qui posent des actes et qui mettent en place des structures, une architecture qui favorise ce ressenti d'accélération parce que, selon eux, leur temps serait compté. Il faut mettre en place une structure pour pouvoir pérenniser ce qu'ils représenteraient comme compréhension. C'est très, très, très intéressant à travers ce point aussi, en écoutant l'intervention de Thierry. Ça me permettait de voir ce rappel hein, qu'on le fait souvent, effectivement, qu'il y a la notion de l'ordre social et puis il y a la notion de l'ordre universel. Et au-dessus de tout cela, il y a le créateur, l'intelligence qui met tout cela en mouvement. Et si on veut parler d'objectif, si on veut comprendre même ce qu'on appelle le temps, le but même de tout ce mouvement énergétique dont la société a conceptualisé une certaine notion qu'elle appelle le temps. En fait, tout cela est enrôlé dans un objectif déterminé par le créateur, mis en mouvement par l'intelligence, dans cet ordre universel et dont la société est une certaine application et qui, à travers ce qu'on appelle les gouvernants, participent malgré eux, sans réelle conscience finalement de l'objectif réel, à mettre en place des éléments, des structures qui certainement est au profit, est favorable pour celui qui est dans l'intelligence de l'ingénieur, comme on dit souvent. Certainement qu'il y en a ceux qui ne subissent pas, entre guillemets, cette accélération, mais qui au contraire voient tout cela comme des éléments, des opportunités, des conditions nécessaires pour l'émergence, la propulsion de ce qu'il représente en termes de compréhension et, comme disait Luc, en termes d'organisation. Donc, nous avons une demande d'intervention de Armand. Armand, du côté de Puteaux. Bonjour Armand, c'est à toi la parole. Bonjour Angéline et bonjour à tout le monde. Merci pour ces interventions qui ont précédé, Luc notamment, Thierry. Je voudrais souligner quelques aspects par rapport au thème. Quand nous pensons à la vitesse, nous pouvons nous limiter à le voir comme quelque chose d'unidimensionnel. C'est-à-dire, on dit ça va plus vite, ça va moins vite. Un peu comme si on disait j'ai plus de quelque chose, j'ai moins de quelque chose. Mais en fait, la vitesse, ce n'est pas simplement une notion en termes de perception à une dimension. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est sur la Terre et dont l'objectif est d'aller sur la Lune. Et qu'il soit conscient de cet objectif. Vous pouvez le mettre dans un avion, dans un TGV, tout ça, ça peut aller aussi vite qu'on veut, mais ça ne le rapproche pas de la Lune. Il reste sur la Terre. Et lui verra tous ces changements-là d'accélération, comme on a pu décrire, il verra ça simplement comme de l'agitation, qui ne change strictement rien à sa position par rapport à son objectif. Donc, le premier point que j'aurais souligné, c'est celui-là. La vitesse dont nous parlons, elle est perçue par rapport à l'objectif, en fait, auquel on se rattache, par rapport auquel on se définit. Et pourquoi l'individu social peut percevoir une accélération? Parce qu'en fait, son objectif est horizontal. Et comme la société tourne à l'horizontale, eh bien, il a la perception d'une accélération, d'un mouvement. Mais ce mouvement, en fait, il le perçoit parce que son objectif est dans l'horizontale. Et par rapport à l'horizontale, il sent des variations, il sent des transformations. Ça, c'est le premier point que je voudrais ajouter à ce qui a été dit. Le deuxième point, là, c'est par rapport à la transformation dont je viens de parler. Qui dit vitesse dit en fait changement, changement de quelque chose, changement de perception, on va dire, hein, parce que tout passe par la perception. Et, la perception elle-même renvoie à ce qu'on est, renvoie à l'identité, n'est-ce pas?
Je me rappelle quand on était enfant, on s'amusait à tourner sur soi-même. Et quand on faisait suffisamment de tours, ben, on a cette, même quand on est adulte, hein, mais on le fait plus souvent quand on est enfant, on avait cette sensation de, que tout se tournait autour de nous et on ressentait des choses qu'on ne ressentait pas lorsqu'on n'avait pas ce tournis. Et donc la perception qu'on pouvait avoir des choses, le sentiment, c'est-à-dire que ce sentiment que tout est en train de, d'avoir un mouvement, en fait, que l'on ne percevait pas, on le ressent dès qu'il y a une rotation sur soi-même. Et c'est ce que fait la société. La société fait tourner un peu les individus en eux-mêmes autour, n'est-ce pas, d'un artifice qui les amène à percevoir comme s'il y avait une sensation de mouvement beaucoup plus grande. Mais en fait, ce mouvement, il est lui-même en fait à concevoir par rapport à cette perception dans le sens où ce qui est perçu ne produit de l'effet que si ça persiste. Ce qui est perçu et qui ne persiste pas, finalement, c'est comme si ce n'était pas perçu. Et en fait, on peut rattacher à cette notion de vitesse une perception volatile. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les événements qui se produisent, ne faisant aucun dépôt réel dans l'individu, il est constamment un peu comme un chantier qui n'avance pas et qui est tout le temps avec des mouvements, avec des activités, mais on ne voit pas les murs s'élever. Et donc, cette sensation de vitesse qui est exprimée souvent, c'est cette idée-là, selon laquelle, eh bien, en fait, rien ne se construit, pourtant on a l'impression que tout bouge. Et c'est cette expression-là qui est souvent sous-entendue dans l'idée du siècle de la vitesse. Mais ce siècle de la vitesse, il y a toujours eu du mouvement, il y a toujours eu de la transformation. Ça n'a pas commencé au 21e siècle, ça n'a pas commencé au 20e siècle. Certains ont même appelé le 19e siècle le siècle du développement industriel. D'autres ont appelé le siècle du 18e siècle le siècle des Lumières. Et avant cela, d'autres ont appelé ça l'époque de la Renaissance. Donc, il y a toujours eu ce que la société a donné à voir aux gens comme une innovation, comme une transformation, comme un mouvement. Parce que c'est le mouvement qui est à la base de la gouvernance. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de gouvernance. C'est dans le mouvement que se font, n'est-ce pas, les transactions, que se font l'exploitation de l'énergie. Luc parlait du cône tout à l'heure qui devient information. Mais ce cône favorise le, n'est-ce pas, le mouvement de l'énergie. Et c'est ce mouvement-là qui est à la base, en fait, de tout le système économique. Un mouvement, c'est une transaction. Un mouvement, c'est d'ailleurs, même les banquiers appellent, quand vous faites une opération, le banquier appelle ça un mouvement dans votre compte. Vous voyez ? Donc le mouvement est à la base, n'est-ce pas, de tout ce que le système a besoin pour son fonctionnement. Et donc, ça c'est le deuxième point, c'est que la vitesse est intrinsèquement liée à la perception qui elle-même est liée à l'identité. Et donc, pour continuer là-dessus, je voudrais prendre un exemple avant de terminer. Quand nous considérons la gestation dans les espèces, on a beau être au 19e siècle, au 1er siècle, au 21e siècle, il faut 9 mois pour qu'une gestation, une maternité humaine se fasse. Et vous prendrez les espèces, cette durée change selon les espèces. Mais ce n'est pas influencé par ce que nous appelons la vitesse du siècle. Vous voyez donc qu'il y a des invariants. Mais pourquoi sommes-nous plus sensibles à ce qui produit en nous une sensation de vitesse qu'à ces invariants qui sont là depuis la nuit des temps, dont je viens d'illustrer par, n'est-ce pas, le temps de la gestation? Si nous étions avec une sensibilité égale par rapport à ces choses, nous aurions une conscience des invariants extraordinaires. Comment se fait-il que malgré toutes ces technologies, etc., on n'est pas, aucune n'est réussie à ramener le temps de gestation à 2 mois ou à 1 mois, ou à etc. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de phénomènes que nous entendons, de connaturés, etc. Mais voilà, ça ne change pas cette loi naturelle. Même s'il y a une transgression, une tentative de transgression qui s'opère, voyons bien que le fondamental reste celui-là. Donc, ce qui veut dire que la gestation, comme exemple, n'est-ce pas, échappe à la vitesse. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il en est de même
de ce que nous appelons l'identité, lorsque nous la voyons par rapport à la source, elle ne change pas. Mais ces éléments-là ne sont pas perçus, je parlais de perception, avec la même sensibilité. Et lorsque nous, notre perception, notre sensation, nos capacités, nos facultés sont artificielles, ben elles captent plus aisément les transformations de l'artifice, qui en fait ne sont que l'écume, n'est-ce pas, du fond. Et pour terminer, donc, je voudrais ici toucher le fait qu'il n'y a pas de notion de vitesse sans notion, n'est-ce pas, de fixité. Parce que lorsque vous êtes dans un avion et que l'avion a pris son envol, au moment où il prend l'envol, où il décolle, vous ressentez une accélération extraordinaire. Mais la vitesse de l'avion n'est pas aussi énorme que celle qu'elle aura atteint dans ce qu'on appelle son vol de, lorsqu'elle atteint la vitesse de croisière. En vitesse de croisière, elle est à 1000 km/h, voire plus pour certains avions et autres, etc. Mais curieusement, c'est quand on est à cette altitude-là qu'on a l'impression que rien ne bouge. Là où on a le plus de sensations, c'est quand l'avion décolle. Pourtant, ce n'est pas là qu'il y a la plus grande vitesse. Et donc, je voudrais souligner ici le fait que la notion de vitesse renvoie en fait à la somme des repères que nous constituons. Et c'est par rapport à ces repères-là que la vitesse se mesure, se perçoit, se conçoit. C'est par rapport à ces repères. Ces repères sont identitaires. Et pour terminer, si ce repère est le créateur, voyez bien qu'il est l'invariant. Il est ce qui ne change pas. Et si vous reconnaissez dans ce qui ne change pas, vous n'êtes pas assujetti, entre guillemets, à cette conscience de la vitesse artificielle. Je te rends la parole, Indine. Merci beaucoup, Armand. Comme toujours au cœur, finalement, de nos échanges, cette notion identitaire, puisque ce fameux ressenti va être relatif à l'identité que chacun est. Effectivement, tu parlais de cette notion artificielle qu'on a déjà beaucoup abordée dans les enseignements, et c'est une notion de repère artificiel qui, pour la plupart, se matérialise dans les populations, qui vont les rendre sensibles, comme tu disais, donc à la seule sphère sociale, d'où effectivement cette emprise par cette agitation, cette vitesse, cette accélération vers des sous-objectifs qu'ils ne perçoivent pas. Et là, tu parlais de cette notion de l'invariant, celui qui est hors de ce champ social, qui lui telle les lois naturelles immuables, invariables, effectivement, n'a pas cette notion de ressenti d'accélération, mais certainement a une notion d'étape favorable, certainement, pour son évolution, pour la construction de l'identité qu'il représente. En tout cas, avant de te laisser, donc de continuer, de passer d'ailleurs à la notion du chat, j'ai sous les yeux une réaction d'Aline que je voudrais avoir ta réaction par rapport à cela, Armand. Aline qui nous dit « La Terre gémit attendant l'avènement du Fils. Tout s'accélère parce que nous sommes à la fin des temps. » Le temps de remplir nos lampes d'huile et de laver nos robes, car l'époux arrive. Voilà le ressenti de beaucoup actuellement. Armand, j'aimerais avoir ta réaction par rapport à ce point qu'énonce Aline, cette analyse du but de l'accélération des événements, de certes, qu'ont beaucoup. Oui, nous avons là des éléments dans cette citation, je crois, qui nous ramènent aux Écritures et qui renvoient en fait à différentes images qui sont données et que certains rapprochent de ce qu'on appelle la vision apocalyptique, n'est-ce pas, de l'histoire, qui donne à envisager ou à concevoir une chronologie qui doit déboucher sur une sorte de délivrance pour ceux-là qui aspirent à cette délivrance.
Mais nous avons suffisamment abordé ce sujet sous l'angle, n'est-ce pas, des facultés qui sont déposées dans chaque individu. Et c'est à travers ces facultés-là que la conscience se construit. C'est à travers ces facultés-là que la perception même se construit et la compréhension. Donc, lorsque derrière cette métaphore de l'époux et de la délivrance, on a affaire à un peuple de martyrs, entre guillemets, qui serait sous la domination, n'est-ce pas, d'un ennemi et que le sauveur viendrait délivrer. Mais nous voyons que le Créateur étant le même et étant celui-là qui se procrée dans son prolongement, il n'est pas soumis à autre chose que lui-même. Il n'est pas menacé par un destin qui lui échappe. Au contraire, il est celui pour qui toute chose a été appelée par lui-même à l'existence. Il n'est donc pas sous la menace d'un destin qui aurait pu tourner, comme on dit, kazakh. Il n'est pas menacé. Il n'est pas celui-là qui aspire à une délivrance. Et quand je parle de lui, je parle de son prolongement, je parle de sa procréation. Et donc, pour dire que cette métaphore-là, lorsque nous la rapprochons de l'identité créatrice, nous ne retrouvons pas les mêmes repères. Donc, c'est ce que je peux dire rapidement ce matin par rapport à cette remarque. Je te rends la parole lundi. Merci, merci beaucoup Armand pour ce point. J'avais à cœur de te demander ton avis par rapport à cela. Et moi-même, ça me fait écho à une conversation téléphonique où il y a donc une personne qui a ce genre de conviction, effectivement, en fait, de pensée, on va dire, liée à certaines interprétations des écrits, qui effectivement, avec beaucoup de véhémence, et on entend même de la peur dans la voix, exprimait le fait qu'en gros, il n'y a rien à faire. La société, en fait, tout est entre guillemets foutu. Et la seule solution, c'est donc d'attendre, en fait, finalement, la venue d'un Christ et de préparer un après la mort. Donc, tu parlais effectivement de cette notion de martyrisation, donc de cette fin très douloureuse par rapport à une menace même vitale. Et en fait, quand on écoute cet interlocuteur, on ressentait beaucoup la peur et la non-maîtrise, comme on dit aujourd'hui, donc de ceux qui observent finalement des événements, des situations, comme si les choses s'accélèrent. Eux ne sont pas dans la compréhension du but de tout cela, donc certainement pas, n'ont pas le regard en fait venant du Créateur, parce qu'on ne peut pas être l'intelligence d'une organisation, ne peut pas être dans le sein, comme on dit souvent, de celui qui met tout en mouvement, en étant soi-même étonné, surpris et apeuré par ce qui se passe et en quémandant donc que quelqu'un d'extérieur nous secoure. Donc, à travers encore ce point, ce thème du jour, on voit effectivement l'importance toujours de ramener à la dimension identitaire et à cette notion de loi et de notion de causalité, de cause à effet. Le Créateur, c'est la cause, donc il n'est pas dans la surprise, il n'est pas dans un ressenti de perte de contrôle ou d'accélération, mais bien dans cette conscience de la maîtrise, puisqu'il est l'intelligence de l'organisation de cet ordre naturel à partir duquel un ordre social joue tout simplement sa fonction. Merci beaucoup, Armand. Nous faisons rapidement un tour du côté du chat. À tout de suite. Voilà, donc juste avant de clôturer notre émission, un tour rapide du côté des différents chats où vous avez été très nombreux à interagir avec nous. Merci pour votre fidélité. Je remercie Véronique Wapnang, Arsène Lup 3,
Aline, Omic Michel, Emmanuel Ebi, Brigitte Maffo, Thierry Aimé qui nous a rejoint aussi, Lucrèce Elundu qui nous ont fait signe, qui se sont en tout cas fait voir sur les chats. Et puis nous avons eu des interactions. Donc il y a eu Brigitte Maffo qui a posé quelques questions mais qui ont été répondues finalement lors des différentes interventions, puisqu'elle se demandait est-ce que le temps ne se détermine pas en fonction des objectifs atteints. On dit souvent, tu as fait quoi? Les gens ont vu, comme pour dire, tu tournes sur place sans rien faire. Que dire de cette parole? Donc, si je comprends bien ce qu'a voulu exprimer Brigitte Maffo, c'est souvent cette notion aussi de repères, de codes sociaux, de standards qui sont imposés par la société, et les uns et les autres se jugent par leur capacité de pouvoir le plus rapidement possible se conformer finalement à ces pseudo-objectifs, d'où la notion de vitesse d'accélération ou finalement de stagnation. Elle continue. Le temps existe-t-il vraiment? Un jour devant le Créateur vaut mieux que 100 ans de servitude sociale. Si je m'en tiens à ceci, le siècle de la vitesse aura-t-il de l'emprise sur moi? Donc aussi, ces points ont été touchés par les différentes interventions. La notion du temps illusoire ou pas, et puis la notion effectivement du référentiel encore du Créateur, la différence en termes de référentiel et donc de l'analyse et donc de l'effet en soi du mouvement qui se passe en ce moment. Lucrèce Elundu qui, elle, nous dit « On a l'impression que le temps passe vite parce qu'on n'arrive pas à gérer l'abondance d'informations qu'on reçoit tous les jours. » Et donc Brigitte qui lui disait « Oui, Lucrèce, des informations qui la plupart du temps sont au-dessus d'une autre fréquence, nous les soi-disant enfants de Dieu. Paradoxe. » Annick Jamian qui, elle, nous dit « Donc le point obscur abordé par Luc des plans de ses maîtres est vraiment le point dans la compréhension. » Donc on pourrait, en fait, obscur, on pourrait au contraire dire quelque chose qui se clarifie de plus en plus, parce que en général on utilise obscur, mystifié, hermétique lorsqu'on ne perçoit pas les choses. Et là, effectivement, au fur et à mesure de nos échanges, ces objectifs, même le but finalement de toute cette organisation sociale est de plus en plus clarifié, et donc contrairement à ce ressenti peut-être de non-maîtrise, ce qui peut susciter la peur, l'inquiétude, l'angoisse dans beaucoup qui ne comprennent pas, au fur et à mesure ça favorise une quiétude et une assurance de pouvoir, tant qu'on est dans cette racine identitaire stable, immuable, invariable, bénéficier de toute cette énergie que peut-être pour d'autres est plus une agitation qu'une accélération. Nous continuons avec Marie Gilbert qui remercie Thierry pour son intervention en disant « Incroyable Thierry ce que tu dis, un grand merci ». Omic Michel qui a réagi en disant « En écoutant Thierry, je comprends que la notion de l'objectif est liée au temps. On dit dans le champ social que l'objectif doit être quantifiable et réalisable dans le temps, d'où la notion de vitesse. » Et puis Aline, qui après donc le commentaire que j'ai relayé à Armand, nous disait « Donc chacun comprend cela selon son degré de compréhension, son orientation, son environnement. » Olivier Carola qui nous dit « Effectivement, Armand, cette notion de vitesse est liée à notre niveau de compréhension, notre hauteur de vue. » Et nous terminons par le commentaire de Tabarnadiège qui nous salue et nous dit « Très enrichissant, la vitesse est selon la perception de chacun. » Donc voici comment nous allons conclure notre émission du jour sur le thème du siècle de la vitesse. Nous espérons que ce thème vous a intéressé, que la façon dont nous l'avons abordé a permis de répondre peut-être à des questionnements, a permis aussi d'alimenter, d'agrémenter votre niveau de compréhension, de perception des événements qui occurrent en ce moment dans la société, et puis aussi votre perception de cet objectif suprasociétal qui met même la société en mouvement.
En tout cas, nous espérons que ces échanges vous ont aidé et vous accompagneront dans la compréhension de vous-même, la compréhension de la société au quotidien. Merci à nos différents intervenants. Aujourd'hui, nous avons eu l'intervention de Luc Bimaï, de Thierry Aimé-Bitang et de Armand Diombo. Merci pour leur disponibilité. Et puis, vous savez que cette émission sera encore disponible en différé sur YouTube et Facebook, sur la chaîne Mon Chalon TV. Alors, n'hésitez pas à la voir. Si elle vous a plu, que vous voulez la partager, n'hésitez pas à la partager. Nous signaler que vous avez apprécié le contenu en appuyant sur le pouce en l'air. Et puis, vous savez que vous pouvez nous rejoindre sur le forum Un regard nouveau sur la société, un forum gratuit sur Facebook où nous continuons les échanges, notamment le dimanche après les émissions. Si vous avez encore des questions, des réactions, des commentaires en lien avec ce que vous avez entendu aujourd'hui, s'il y a des pans que vous aimeriez aborder en complément, c'est l'occasion de se retrouver aussi en direct à partir de 13h, heure de Paris, sur la plateforme Un regard nouveau sur la société, le groupe Un regard nouveau sur la société de Facebook, pour avoir des moments encore d'échange dans la continuité. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi, avant de conclure, de vous rappeler la disponibilité de votre magazine Un regard nouveau sur la société. En ce moment, la deuxième édition est disponible. Donc, ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont déjà souscrit à l'abonnement annuel au magazine Un regard nouveau sur la société, ont déjà reçu dans leur boîte mail, donc le lien qui leur permet d'avoir accès à la première et à la deuxième édition. Donc, si vous êtes intéressé pour pouvoir avoir ce magazine qui relaie sous format écrit le contenu de nos échanges, de ces moments d'analyse que nous avons autour de thèmes très intéressants, mais aussi des articles annexes, des articles exclusifs pour ceux qui seront abonnés à ce magazine, vous n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Il y a le numéro normalement qui s'affiche au bas de l'écran lors de ma prise de parole. Vous pouvez rentrer en contact avec moi pour connaître les modalités d'abonnement pour ce magazine. Et puis aussi, il y a une adresse mail, un regard nouveau sur la société, @gmail.com. Alors, n'hésitez pas. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission du jour, Un regard nouveau sur la société spéciale, le siècle de la vitesse. Nous espérons que cette émission vous a plu. Nous vous donnons donc rendez-vous demain sur le forum Un regard nouveau sur la société et la semaine prochaine pour un nouveau thème. À bientôt.